Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mon deuxième ouvrage qui s'appelle L'enfant de Sora et qui est paru aux éditions UCFA Cora fin mars 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit d'une biographie, donc c'est celle de mon grand-père qui est un immigré italien de 1956 qui est arrivé en France et plus précisément en Moselle donc pour trouver du travail. On va partir de son enfance donc à Sora en Italie. On va découvrir sa famille, ses amis, etc. Ensuite, on va le suivre en France, puisqu'il va partir pour y trouver du travail. Voilà. On le suit aussi sur sa vie donc en France, dans ses travaux, dans sa vie personnelle, etc. C'est un ouvrage d'actualité, puisqu'il aborde le thème de l'immigration. C'est une histoire qui me tenait particulièrement à cœur. Et j'ai voulu retransmettre avec sincérité, avec beaucoup d'émotion, donc toutes les petites anecdotes que mon grand-père me raconte depuis que je suis toute petite. C'est un livre qui est à la fois un témoignage par rapport à la vague d'immigration des années 50, mais qui est aussi un hommage pour toutes les personnes qui ont eu le courage de quitter leur pays natal pour trouver une vie meilleure ou un travail tout simplement. Donc à l'intérieur de ce livre, vous pouvez également trouver des photos qui sont en couleur et qui sont d'époque, pas toutes mais il y en a quelques-unes, et qui vont nous permettre d'apporter une dimension plus réelle, intimiste et plus sincère aussi de l'ouvrage. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, vous en avez déjà quelques-unes comme celle-ci. Donc on voit que ce soit de très vieilles photos. Après, bien sûr, il y a aussi des photos d'actualité dedans où on va retrouver, par exemple, le premier village où est arrivé mon grand-père. Voilà, donc vous laisserez découvrir les autres au fur et à mesure de votre lecture. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce petit ouvrage. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Également, si vous l'avez lu et que vous voulez mettre votre avis, je serai ravie de pouvoir le lire. Et voilà, donc je vais vous dire à bientôt et je vous souhaite une agréable journée.